Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui puisque à la fin de la vidéo, il y a aussi le tirage au sort pour le concours du portefeuille Samalis. Je l'ai fait hier soir, donc je sais déjà qui a gagné. Et donc on va regarder tout ça. Je suis aussi très contente parce que j'ai reçu mon nouveau support pour mes nouvelles enveloppes, pour vous montrer qu'il y a aussi d'autres façons de faire pour épargner, faire des épargnes, économiser, et qu'il n'y a pas forcément le classeur obligatoire, les trackers obligatoires. Avec une simple boîte, on peut y arriver. Bien sûr, la mienne, elle est un peu plus travaillée. C'est une boîte au trésor. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est avec le portefeuille. On ne voit plus le classeur. Je vais vous montrer du coup ce qui remplace le classeur. C'est donc une boîte. J'ai acheté une grosse boîte comme ça, tout en bois. Elle est en bois. J'ai déjà la boîte à thé pour les pièces. Et là, voilà, j'ai acheté ce coffre. Et du coup, donc on a la super clé qui va avec. J'adore. Très, très jolie. Le cadenas, je le trouve super joli aussi. Avec des petits oiseaux dessus. Bon, ça, c'est optionnel. Hein. Vous pouvez très bien vous faire justement avec une boîte à chaussures, par exemple. Ou peu importe, n'importe quelle boîte que vous allez trouver. Moi, j'ai voulu voilà, une boîte comme ça. Ça fait vraiment boîte au trésor. Et ce qu'on met dedans, à la finalité, ça reste un trésor. Et je vous montre du coup comment ça se présente. Donc, au lieu d'avoir mon classeur, j'ai mes enveloppes comme ceci. Donc, je vais prendre par exemple ici, on a Disney. Je n'ai plus de tracker spécial Disney. J'ai l'argent à l'intérieur. Je note ici sur mon tracker, enfin, c'est même pas un tracker, une petite carte. Voilà, j'ai plastifié le total que j'ai à l'intérieur, que je peux gommer, réécrire, et je la replace ici. Et avec juste le nom sur l'enveloppe, à pression, voilà, le plus simple possible. Il y a encore plus simple, hein. Il suffit de prendre des enveloppes en papier. C'est tout aussi simple que ça. Et donc dedans, il va y avoir toutes mes enveloppes. Il y a quand même, j'ai gardé le classeur en époxy parce qu'il est trop beau, j'adore, pour les épargnes des enfants. Donc là, j'ai gardé le tracker et les enveloppes zippées pour les épargnes. Donc en plus, le classeur rentre facilement dans le coffre. Donc je le place à l'arrière. Je me suis refait mon calendrier des paiements pour l'année prochaine. Et également, je me suis refait ma fiche. Donc là, on avait celle-ci cette année avec le bilan de la semaine. Mais comme je ne récupère plus les pièces à la semaine, les pièces, je les récupère en fin de mois. Du coup, je me suis refait le tableau voilà, avec juste billets et les billets de 5 euros. Voilà, j'ai retiré les pièces. Mais pour le moment, comme on n'est pas arrivé en fin d'année, par rapport aux semaines qui me restent, je garde encore ce calendrier. Et celui-ci est déjà prêt pour l'année prochaine. Donc voilà ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a. Et ensuite, pour garder les comptes des enveloppes, voilà, je vais déplacer ma boîte, le tracker toute catégorie. Donc je l'ai refait puisque j'ai rajouté des catégories et il y en a que j'ai enlevé et je me suis fait un recto verso. Donc on va retrouver dans l'ordre. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai tout mis sur ma fiche. J'ai mis ce que je prévois en montant. Ici, ça va être en vert, c'est ce que je mets en début de mois. En bleu, c'est ce que je mets au niveau des économies que je réalise à la semaine. En rouge, c'est ce qu'il y a de fini, en fait. Les enveloppes sont arrivées au bout. Donc, j'ai fait en sorte à ce que dans ma boîte, ici, ce soit rangé dans l'ordre de ma fiche. Donc, en fait, on va avoir Disney, fonds d'urgence, fonds alimentaire, défi 5 euros, donc qui n'était pas sur ce tracker, puisque c'était juste une enveloppe à part. Ensuite, j'ai rajouté une enveloppe perso. On a Noël, anniversaire, voiture. J'ai rajouté l'enveloppe tatouage, puisque maintenant, je suis arrivée au bout pour la fabrication d'enfants, on va dire. Je ne referai pas d'autres enfants. J'ai déjà un tatouage qui représente mes trois premiers enfants. Je vais réfléchir, en attendant de réfléchir au projet du futur tatouage pour mes trois derniers enfants, je vais commencer à mettre de l'argent de côté. Ensuite, on a santé, vêtements,
PAC, fleurs et jardins, location vacances, loisirs vacances. Donc, loisirs vacances, c'est quand je fais le défi des 10 euros par semaine. Donc, comme je prévois 400 euros, ça commence à partir du mois de novembre. Et dès que j'ai 10 euros par semaine, je mets de côté pour l'enveloppe loisirs vacances. Ensuite, parc animalier attraction. Donc là, c'est réuni. L'enveloppe beauté qui n'existait pas avant et qui a commencé ce mois-ci. L'enveloppe restaurant. On a aménagement maison, donc là, ça va être tout ce qui est literie, voilà, changement de meubles, changement de déco, tout ça. Ici, projet immobilier, donc là, on a un gros montant, 120 000 euros. Ça, je l'ai déjà mis sur la fiche, mais ce sera quelque chose que je mettrai en place quand je recommencerai à travailler. Non pas qu'on n'a rien, hein, parce que mon mari est propriétaire, il était propriétaire avant qu'on se rencontre. Donc, là, au niveau propriété, on y est, mais en fait, c'est le projet immobilier pour moi, enfin, je prévois pour la retraite, en fait, avoir un petit pied-à-terre au bord de la mer, en fait. Voilà, je voudrais avoir un petit appart, un petit studio, peu importe, mais proche de la mer, ou pourquoi pas peut-être déménager quand on sera à la retraite avec et le prix de la maison ici actuelle, plus les 120 000 euros que j'aurais réussi à mettre de côté. Ensuite, nouvelle enveloppe, il y a le plaisir d'offrir. Donc là, le prévu, c'est libre. L'enveloppe plaisir d'offrir, voilà, tout simplement, j'ai envie de mettre quand je peux, quand j'en ai l'envie, des euros par-ci, par-là. Je pense que ce sera à hauteur de 10 euros à chaque fois parce que je mets pas de pièces dans des enveloppes comme ça. Et donc, quand j'aurai envie de faire plaisir à quelqu'un, voilà, d'acheter quelque chose juste pour le plaisir d'offrir, on n'a pas besoin d'attendre une occasion pour offrir, et ben j'aurai cette enveloppe. Ici, une autre enveloppe super promo. Pareil, je mets libre aussi, mettre de temps en temps de l'argent dedans. Et si je vois vraiment une super promo qui vaut vraiment le coup, on prendra dans cette enveloppe. On a l'enveloppe retraite et l'enveloppe obsèques. Donc ça, je les ai mis bien à la fin de ma liste. Donc là, pareil, je prévois 100 euros par mois et obsèques 100 euros par mois. Ce sera quand je retravaillerai, bien évidemment, puisqu'à aujourd'hui, c'est impossible que je puisse mettre 100 euros par mois rien que pour ces deux catégories. Donc voilà, le tracker tout réuni et les enveloppes se trouvent ici. La toute première enveloppe. Donc, j'attends parce que je n'avais pas toutes les étiquettes. Hein. J'en ai redemandé 5 autres puisque j'ai rajouté des catégories entre. Cette enveloppe, c'est l'enveloppe l'argent du mois que je mets dans mon portefeuille. Donc, elle se trouve tout en premier dans mon enveloppe. Donc là, maintenant, on va faire tout simplement le bilan. On va regarder les dépenses. Donc pareil, hein, plus de tracker pour noter j'ai dépensé tant. On va juste regarder ce qui nous reste. Le but, on a juste besoin de savoir ce qui nous reste dans chaque enveloppe en fait. Hein. Ce qu'on a dépensé, on le sait. Voilà, on sait qu'on a dépensé tant dans tel magasin. Le but final, c'est de ne pas dépasser le budget et surtout de voir combien il nous reste et puis les placer dans des enveloppes d'épargne. Donc au niveau de l'alimentation, il me reste 25 euros. On va les sortir. Ici, j'ai même eu un petit bon. Il est là, un petit bon de 19 centimes. Donc, je le garde. Hein, je le passerai pour la prochaine fois. Ensuite, entretien hygiène, c'était vide. Bébé, je vous avais prévenu, il fallait que je rachète un paquet de couches. Et après, c'était fini. Donc, comme c'est fini, je vais ressortir les 10 euros. Ah, il y a encore un fil. Bon, après, ça, c'est pas trop grave, ces fils. Voilà. Il y a, 10 euros, je vais les sortir. Puisque je n'ai plus besoin de racheter d'ici la fin du mois, hein, il ne me reste plus qu'une semaine. Mes 10 euros par mois, là il me reste du coup 5 euros. J'ai déjà retiré les pièces puisque je les mets directement, cette fois-ci je les ai mis directement dans l'enveloppe pièces. 5 euros parce que j'ai ma fille au collège, ça fait deux fois qu'ils me font changer la peinture. On me demande de la gouache, j'achète... la toute première fois, j'achète une super marque, sur internet. Sauf que ça ne convenait pas. Donc, ma fille me dit, il faut de la gouache pas chère qu'est au Leclerc. Bon, ok, je vais acheter les tubes de gouache, comme on a l'habitude de voir, que j'ai toujours acheté. Et non, c'est toujours pas ça. Il fallait les palettes de gouache sèche. Donc, j'ai dû racheter de la peinture. Je ne sais plus combien c'était. Et il me reste donc 5 euros sur divers. J'ai pris dans divers et la monnaie, je l'ai mis dans les pièces.
Dans les pièces, il nous reste pas mal hein, quand même. On a pas mal de monnaie ici. J'essaye d'arrondir justement, d'où le pourquoi des 5 euros au niveau de l'alimentation, puisque ben, j'ai arrondi avec les pièces pour qu'elle puisse me rendre un billet de 5. Donc l'avantage de garder les pièces, c'est à la fin de mois, j'enlève tout. Et d'ailleurs, je me suis aussi refait le tracker des pièces qu'on verra donc la semaine prochaine en format A4. Voilà, j'ai que ces deux fiches-là. En format A4 pour éviter, parce que j'en avais 10 de 10 lignes. Et en fait, 5 lignes, je pense que ça va être largement suffisant. Et c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus facile à écrire et à effacer pour faire le compte des pièces. Donc, à la finalité, combien on a réussi à économiser? Donc, 10, 20, 30. On est à 40 euros pour cette semaine. Donc, je vais prendre... le nouveau tracker, hein, tant qu'à y être, on va prendre celui-ci. Et je vais juste écrire, j'ai même ressorti, alors ça, c'est un pot, je crois que ça vient de chez Action, où il y avait une bougie dedans. Ça, je crois que c'était avec une bougie, des bougies. Et du coup, je le réutilise juste pour mettre mes crayons et le placer directement sur mon bureau. Donc ici, on a dit 30 euros. Eh ben, si on regarde bien, chaque semaine, il y a eu 30 euros. Hein. En billet de 5, on est à 10 euros. Donc ça nous fait 40 euros. J'ai ma calculatrice. 85 plus 40, on est à 125 euros d'économie. Et il nous reste encore une semaine. Donc, je gomme. Et je vais écrire ici 125 euros. Donc voilà, je n'ai pas besoin de plus comme tracker. Voilà, je sais que j'ai économisé 125 euros sur le mois. Pour le moment, on va mettre ça ici. Et on va du coup prendre l'enveloppe. Je vais le noter de suite. Donc en bleu, puisque c'est ce qu'on a économisé. Dans le défi 5 euros, on va mettre plus 10. Ce qui nous fait... 50 euros. Et là, c'est pareil. Normalement, c'est beaucoup plus facile pour gommer et réécrire. Ça ne va pas effacer les lignes d'à côté. Déjà, on est déjà à 50 euros hein, pour les billets de 5. C'est génial. Donc ça, on va le mettre après. Et les 30 euros ici, je continue dans l'enveloppe voiture puisque eh bien, il faut que j'arrive à avoir un bon budget pour pouvoir... faire les réparations sur la voiture. Donc on est à 190 euros. Donc ça monte bien parce qu'en début du mois, on était à 100 euros. Donc 3, 6, 9, c'est ça. On a réussi à mettre 90 euros de côté pour la voiture pour ce mois-ci. Donc on va prendre, du coup, là, voilà, je vous ai montré, je vais sortir ma fiche et on va prendre la boîte pour vous montrer comment ça va être. Très facile de ranger. Le défi 5, donc vous voyez là, c'est facile de tomber sur, parce que j'ai écrit direct au-dessus, donc je le vois de suite. Là, j'ai le défi 5 euros. Ce que je vais faire, vu que je veux le remettre à la même place, je vais décaler là pour mon repère. Hop, voilà. C'est tout simple, hein, mais on a tous des petits tocs comme ça pour ranger. Et là, eh bien, je vais rajouter mes deux billets hop, de 5 euros à l'intérieur. On est déjà à 50 euros. Juste pour le premier mois. Si on enlève, il faut qu'on enlève les 10 euros par rapport au reste qu'il y avait cet été, on a quand même réussi à mettre 40 euros sur le mois en billets de 5. Si on pouvait faire ça tous les mois d'ici les vacances, on va avoir un bon petit pécule. Donc ici, je vais écrire le total 50 euros. Voilà. C'est tout. Plus de tracker. Bon, je crois que je l'ai assez dit. Hein. Mais c'est pour vraiment vous compreniez que les trackers, c'est pas obligatoire. Je vois tellement, tellement, tellement de trackers, de défis. C'est bien parce que c'est sûr que quand vous commencez, vous ne connaissez pas le système, vous avez du mal, vous avez besoin de vous motiver. C'est très bien d'avoir des défis. Mais j'ai peur, moi, quand je vois tous ces défis, que ça en fasse vraiment trop et que vous y perdiez. Et que à la finalité, en faisant vraiment très simple, eh bien, on arrive à faire des économies et on les place directement dans les enveloppes qu'on a envie de placer. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir fini de faire un défi, de dire « bon là, j'ai réussi mon défi, j'ai mis 55 euros dans mon défi », alors que vous allez fatalement avoir
vos 55 euros d'économie différemment et les avoir placés déjà dans des enveloppes d'épargne, par exemple. Mais attention, les défis, c'est très bien, c'est joli. C'est... Moi, j'en ai jamais fait, à part le défi des 10 euros que j'ai toujours lancé. Ça fait 2 ans que j'ai lancé ce truc-là, le défi des 10 euros pour les vacances et les billets de 5 euros. Autrement, je ne fais aucun défi. Les pièces, c'est juste parce que j'ai pas envie de m'encombrer avec. C'est pas forcément un défi de me dire il faut absolument tant, je vais cocher parce que là il y a 1,20€. Non, moi c'est voilà, j'ai tant, et je mets dans ma tirelire, on va dire une tirelire. Et après, une fois que j'atteins 100€, je ramène à la banque et ces 100€ qui seront transformés en billets, je les mettrai dans une enveloppe d'épargne. Mais voilà, je peux comprendre que les défis puissent vous aider. Ensuite, j'ai dit voiture. Eh bien, la voiture, elle est ici. Donc, je vais prendre la voiture, hop, comme ça. Et je vais rajouter donc les 30 euros. On va être à 190€. Donc, vous avez remarqué, j'ai maintenant les vrais billets à l'intérieur. C'est volontaire puisque ça va être des enveloppes qui vont vite se... Enfin, qui vont être utilisées dans l'année. C'est pas des épargnes à long terme, à très long terme. Donc, j'avais envie d'avoir mes billets ici. Donc, on va changer et noter ici 190€. Hop, 190. Et je remets ma petite fiche ici. Dites-moi ce que vous en pensez, du coup, du fait que, est-ce que vous aimez bien, est-ce que vous préférez quand avant, je comprendrai hein, vos réactions si vous n'aimez pas, mais moi j'adore et je trouve ça beaucoup plus simple. Et puis après je range la boîte, tout est réuni, c'est moi j'aime bien. Donc maintenant, et bien qu'est-ce qu'il reste à faire? Juste à remplir le porte-monnaie pour la semaine prochaine. Donc l'alimentation est divers et donc tout est regroupé dans la même enveloppe, mais on sait que j'ai pas besoin, voilà, j'ai pas besoin d'avoir une enveloppe, hop, alimentation que je vais prendre pour mettre dans l'alimentation de la semaine, hop, une enveloppe d'hiver pour... Non, ça, c'est ce que je l'ai fait au début, hein. Si vous regardez mes premières vidéos, c'est ce que je faisais au début. Là, je sais combien il me faut tant par mois par rapport à mes enveloppes réunies. Je mets tout dans la même enveloppe. Je sais que là, il me faut 100€ pour l'alimentation. Et je vais prendre 100€ ici. Et je sais que j'ai besoin de 10€ pour d'hiver. Elle est dans la même enveloppe. Et voilà. Et normalement, voilà, on arrive à la fin du mois. Donc, l'enveloppe est vide. C'est, voilà. Je veux vous montrer que vous pouvez faire très simplement. Puisque je sais qu'il y a des personnes qui sont perdues, qui ont peur de se tromper, qui ne savent pas comment gérer. Mais je vous montre que c'est pas compliqué. Vous pouvez le faire aussi simple que ça. Moi, voilà, j'ai des supports, mais bon, je suis aussi en train de vous faire des vidéos. Je veux pas non plus vous montrer quelque chose, que j'aimerais pas faire en vidéo. Moi, là, que ce soit en vidéo et pour la vie, tous les jours, je suis très bien comme ça. J'adore ce système, j'adore mon organisation. Je dis pas que j'ai pas aimé mes autres organisations avant, bien au contraire, j'adore aussi. Il y a plusieurs façons de faire, trouvez la vôtre. Et ce n'est pas parce que j'ai mis les classeurs de côté que je ne vais pas y revenir plus tard. Ça va être en fonction de mon humeur, de mes envies. Mais là, j'aime bien l'idée de la boîte au trésor. Et puis voilà, donc là voilà, c'est aussi simple que ça, aussi rapide et c'est fini. Donc il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà, pas de tracker. J'ai tout noté directement ici et après on range dans les enveloppes et on peut écrire même si vous avez une enveloppe, vous n'êtes pas obligé d'écrire sur l'enveloppe le montant. Vous écrivez juste la catégorie et après ici. Moi, le montant, le fait de l'avoir ici, c'est au cas où que la fiche... On efface et on efface tout et qu'en fait, mince, je ne sais plus ce qu'il y avait. Voilà, ça reste une sécurité pour avoir toujours le visuel. Mais la sécurité, vous avez quand même l'argent dedans, vous avez juste à recompter. Mais c'est au cas où si vous avez fait une erreur, il faut que vous puissiez vous retrouver dans les erreurs. Donc voilà, donc maintenant, je vous laisse avec le concours parce que vous l'attendiez quand même, ce concours, ce résultat. Donc, je vous laisse avec la petite vidéo d'hier soir. En attendant, merci à tous pour tous vos messages. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont participé au concours. Bonne chance à tous et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.
Allez, c'est parti pour le tirage au sort. Donc là, j'ai mis l'adresse URL de la vidéo avec le concours. On voit ici donc 330 commentaires. On va cliquer « Trouver les commentaires ». Alors, pour gagner le concours, il fallait trouver le mot de passe qui était l'éphémère by Sonia. Vous avez été beaucoup à l'avoir noté. Maintenant, il fallait aussi être abonné sur le compte Instagram de Samalis. Donc, c'est parti. Un gagnant avec un compte à rebours à 5 secondes. Hop, confirmé. On a ici 330 participants, donc c'est déjà beaucoup. Bonne chance à tous. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Marie-Cécile Noël. Donc, on va lire le message. Bonjour, je vous découvre. Ah bah, une nouvelle personne, Bab. Bienvenue et puis, bravo. Et je suis ravie, une chaîne budget avec une belle famille. Bravo pour votre travail et un grand merci pour le concours. De très belles créations de Samalis. J'adore votre portefeuille Paris, mais je vois qu'il est en rupture de stock. Le portefeuille L'éphémère by Sonia est très chouette aussi. À bientôt. Donc très bien, bravo. J'ai eu peur, j'ai cru que la phrase n'y était pas. Et L'éphémère by Sonia est bien mis dans le message. Donc déjà, merci beaucoup pour le message. Encore bravo. Et puis, alors je vous laisse en barre d'infos mon lien Instagram pour me contacter, pour me donner... vos étiquettes. Il y a 6 étiquettes que je vais vous faire pour mettre sur le portefeuille. Donc, vous avez juste à me contacter par Instagram ou alors par mail. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Encore bravo et merci.